Bonjour, cher futur moi de 10 ans, j'espère que tu vas bien. Actuellement, la WNMI d'aujourd'hui, c'est-à-dire de 20 ans, ne se porte pas très bien au niveau intellectuel. J'ai arrêté de trop lire comme avant. Au niveau spirituel, ma relation avec Dieu n'est plus au top, c'est plus à son bon fixe comme avant. Je suis en train de suivre une trajectoire que j'aime pas. Actuellement, je suis confuse. Quand on me demande à long terme, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas quoi répondre en fait. Je suis en train de suivre un chemin que je ne maîtrise pas. Il y a des personnes à leur naissance, ils savent ce qu'ils vont devenir, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et quand ils me disent que voilà, moi depuis tout petit, je voulais faire ça, donc c'est ce que je suis, c'est ce que je suis, ça me fait un hic dans mon cœur parce que je suis pas comme ça. J'ai pas de rêve à poursuivre. Je vais ça et là comme ça où le vent m'emporte. Et c'est une situation qui me désespère. Je pense que je suis un peu trop fainéante parce que mon train de vie à la maison n'est pas comme celui des autres. En fait, eux, ils sont habitués à travailler, travailler, travailler. Du coup, quand on leur donne des tâches à faire, ça va. Mais moi, une seule tâche, je suis épuisée. Cette flemme-là m'énerve. Cette flemme-là m'empêche de faire ce que je veux faire, en fait. Et puis, je suis là, je m'abandonne à moi. J'espère que, cher futur moi de 10 ans, tu ne seras pas comme ça. Quand tu vas prendre des décisions, là, tu vas aller jusqu'au bout. On dit, on est soldat jusqu'au bout. Je veux que d'ici 10 ans, c'est une personne située, que ce vocabulaire, je ne sais pas, ne fasse pas partie de ton langage. Que cette histoire de je sais pas faire, ou bien je suis perdue, ne soit pas de ton langage. Je veux que tu sois une femme battante, une femme courageuse, une femme de feu, une femme brillante, éloquente, qui dégage l'inspiration. Je veux que tu sois un modèle pour les femmes et les jeunes filles. Je veux que tu sois une source d'inspiration. Quand je regarde dans mon quartier, mes filles de mon âge, comment elles se comportent, c'est pas ce que je rêve d'être, en fait. Quand je vois les dames qui étaient au début jeunes et qui sont restées encore, il n'y a pas eu d'évolution et tout, moi, ça m'écœure. Et je veux pas être comme ça. Mais je sais pas quelle trajectoire emprunter. Du coup, tu as futur moi de 10 ans, tu as la responsabilité d'être une personne allant vers la perfection. C'est-à-dire une personne qui s'est située, qui s'est casée, qui sait ce qu'elle veut faire dans la vie, qui a fait de longues études. Parce que actuellement, je suis au BTS. Je sais pas si je vais faire la licence en marketing, si je vais arrêter, si je vais continuer. Je suis perdue. Et puis, voler moyen aussi. Les parents n'ont pas trop les moyens aussi. Donc, tout ça me mélange. Du coup, chef, je m'en disais, j'espère que tu auras fait de grandes études, que tu seras très intelligente et que tu volet professionnel, tu seras au top. D'ici là, tu auras accompli plein de choses. Tu te seras mariée, bien évidemment, avec un homme élégant, un homme qui t'inspire en fait, un homme qui t'aide à aller de l'avant. Et j'espère que tu ne vas pas dépendre de lui, c'est-à-dire pour pouvoir faire des dépenses, tu vas pas tendre la main pour dire j'ai besoin de ça, que toi-même tu seras financièrement capable de t'offrir ce que tu veux t'offrir. J'espère ne pas être déçue lorsque je verrai tout le planning que j'avais fait en 2020. C'est pas que je serai pas dessus, mais au contraire, je serai à la hauteur, au-dessus de la moyenne. Chef futur moi de 10 ans, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Bisous. Cher futur Amadou di futur Nombada, j'espère que si tu as choisi ma wali ma hawodi na wada, amahi galle parce qu'on est tari mais du kisa le jam, ce dont benni tu comme ha joni adane yima. Cher futur moi, merci de m'avoir écouté, j'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur moi, futur moi.